On va au Parti Socialiste, où il y a toujours des dissensions sur ce sujet. Faut-il rester au sein de la NUPES? Le Parti Socialiste étant en université d'été à Blois, où se trouve Victor Chabert. Bonjour Victor. La réalité, c'est que... Toujours pas de Victor Chabert. Est-ce qu'on l'a récupéré? Oui. Bonjour Victor, voilà, oui, on est avec bonjour vous. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors ce sujet de rester au sein de la NUPES hein, pour le Parti Socialiste, c'est évidemment au cœur des débats. Il y a les pour et les anti, je suppose. Oui, et c'est d'ailleurs l'image de la matinée. Sous le ciel bleu de Blois, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, est arrivé entouré de l'écologiste Yannick Jadot, des insoumis Clémentine Autain et Alexis Corbière et du communiste Frédéric Bocara. Ils viennent de terminer une conférence plénière face aux militants socialistes autour de leur action commune à venir. Olivier Faure s'est exprimé avant le début de ce débat. La réalité, c'est que même si nous avons été parfois des frères et sœurs ennemis et que nous nous sommes combattus durement, violemment pendant des années, nous avons aussi réussi à trouver ensemble la voie du compromis, la voie, la recherche, la convergence et de le faire sur un plan dynamique, pas en cherchant à chaque fois ce qui était juste commun, mais de chercher à chaque fois à produire ce qui pouvait répondre aux grandes crises qui sont devant nous et qui traumatisent les Français. En réalité, on assiste presque à une thérapie de groupe du Parti Socialiste après cette union avec le reste de la gauche et notamment des Insoumis qui a perturbé les fondements idéologiques du PS. Daniel est militant encarté depuis 1975 et ne semble pas en accord avec la promotion faite à la NUPES lors de ses universités d'été. Bah, disons que c'est un campus assez différent des autres, dans la mesure où il y a relativement peu de réflexion de fond, me semble-t-il, cette fois-ci. On est beaucoup plus sur une espèce de défense et d'illustration des choix politiques d'Olivier Faure. En gros, c'est on a eu raison de faire la NUPES, vive la NUPES, et grâce à la NUPES, on est reparti. Autre élément qui prouve ce nouveau mimétisme du PS sur le langage de la France insoumise, l'organisation d'un débat intitulé « Controverse » par les jeunes socialistes sur les mots de Jean-Luc Mélenchon « La police tue ?» point d'interrogation. Mais du côté de la direction nationale, on assure qu'il s'agit seulement d'être prêt, je cite, à affronter tous les débats, même difficiles entre nous. Les informations donc de Victor Chabert, merci. Vous êtes envoyé spécial à Blois pour...